Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute! Info plus sur RRI, voici les titres du journal. La direction du Parti social-démocrate, principale composante de la coalition au pouvoir à Bucarest, a décidé ce vendredi de continuer à soutenir son Liviu Dragnea. La direction nationale anticorruption de Roumanie avertit qu'une fois entrée en vigueur, certaines modifications au code de procédure pénale produiront des ambiguïtés. Ileana Tsaroi. La direction du Parti social-démocrate, principale composante de la coalition au pouvoir à Bucarest, a décidé ce vendredi de continuer à soutenir son leader, Liviu Dragnea, dans toutes ses fonctions à la tête du parti et de la Chambre des députés. Jeudi, la Haute Cour de cassation et de justice a condamné M. Dragnea à 3 ans et demi de prison ferme pour instigation à abus de fonction. Viorica Dăncilă, la première ministre et présidente exécutive du PSD, a affirmé que Liviu Dragnea devait bénéficier de la présomption d'innocence, car la sentence de la Haute Cour n'est pas définitive. Carmen Dan, vice-présidente du PSD et ministre de l'Intérieur, a affirmé à son tour que la décision de la Haute Cour avait été politiquement influencée, étant en fait un acte de vengeance des opposants à la réforme de l'état de droit. Un communiqué de la Haute Cour de cassation et de justice fait savoir que les membres de l'exécutif ou du législatif n'ont pas de compétences légales pour constater que l'application de la loi a résulté de la décision de justice et le résultat de l'arbitraire. Quant à l'opposition de droite, elle a demandé que Liviu Dragnea quitte ses fonctions publiques. Le chef de l'État, Klaus Iohannis, considère que l'adoption au plus vite par la Commission de Venise d'une opinion temporaire concernant les lois de la justice de Roumanie est extrêmement nécessaire. C'est ce qu'a affirmé le conseiller d'État Bogdan Dima devant le plénum de la Commission.